Bonjour, je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée. La question est de savoir s'il est possible pour un étudiant qui est en Chine de travailler ou encore quelles sont les opportunités de travail que la Chine nous offre. Je m'appelle Kadol Bombi, en Chine on m'appelle Mr. Banli et je suis docteur en commerce international. Ça me fait déjà plus de 7 ans que je suis en Chine, donc j'ai jugé mieux ouvrir cette chaîne pour vous permettre de comprendre et vous montrer aussi les opportunités d'affaires que offre la Chine. Si vous êtes encore nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous afin de ne pas manquer toute opportunité que la Chine pourra vous offrir. Alors, savoir s'il faut travailler en Chine étant étudiant, je dirais, il n'est pas possible. Formellement. Formellement, c'est-à-dire légalement, un étudiant n'est pas autorisé de travailler en Chine. C'est-à-dire aucune entreprise pourra vous embaucher si vous êtes étudiant en Chine. Au cas contraire, ça sera illégal. Alors, il y a une particularité dans cette réponse, parce que si vous êtes du niveau doctorat, donc vous êtes PhD, l'université pourra vous accorder cette chance-là de travailler. Mais, tel que je dis, l'université, ça doit être approuvé par votre université de travailler, en fait, de vous permettre de signer le contrat de travail. Donc, pour les doctorants, oui, c'est possible de travailler en Chine avec l'accord de votre université. Par contre, pour les autres, il n'est pas possible. Oui, il y a des gens qui feront certains jobs, mais ça sera de l'informel, parce que, aucune entreprise formellement pourra vous recruter. Il n'y aura aucun contrat. Par contre, j'aimerais vous présenter quelque chose qui pourra peut-être vous motiver et qui sera très important pour vous. Ça sera le business. Alors, étant étudiant en Chine, vous pouvez très bien faire votre business. Pas faire du business en Chine, par contre, faire du business dans votre pays. Je m'explique. La Chine est un pays où vous trouverez tout, les usines. Vous trouverez les fournisseurs, vous trouverez tous les produits recherchés dans le monde entier. Vous êtes en Chine, vous parlez cette langue-là, donc vous avez cette facilité de retrouver ces coins, ces marchés, afin de jouer du pont entre la Chine et ceux qui viennent pour acheter. Aussi, vous pourrez acheter des choses, envoyer dans votre pays et les faire commercialiser. Ça aussi, c'est du business. Donc, vous êtes étudiant en Chine, mais vous profitez de cette opportunité d'être ici pour faire du business. Et cela se fait sans problème. Il n'y a pas de problème à acheter des choses en Chine. Il n'y a pas de problème pour un étudiant d'envoyer un conteneur. Il n'y a pas de problème pour un étudiant d'aller visiter les usines. À cela, il n'y a aucun souci, sauf que vous ne pouvez pas trouver un travail que vous signerez un contrat si vous êtes au niveau licence ou master. À moins que vous avez fini vos études et à ce moment-là, vous n'êtes plus étudiant, on pourra vous donner du work visa, donc le visa de travail. Si vous voulez savoir comment faire pour immigrer en Chine, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Allez dans ma chaîne YouTube, écrivez Business en Chine et vous trouverez ma page où il y a plusieurs vidéos que j'ai eu à expliquer comment est-ce que vous pouvez immigrer en Chine. Et si vous voulez aussi obtenir la bourse du gouvernement chinois qui vous paiera les cours, la nutrition et votre loyer, allez aussi dans la page YouTube et trouvez la vidéo que j'ai expliquée. J'ai même eu à expliquer comment postuler. Cela vous rendra les choses faciles. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner parce que les opportunités avec la Chine vous seront présentées dans cette chaîne. Merci beaucoup. À bientôt.